Salut à tous. Pour cette vidéo un peu spéciale, qui parle bien sûr de distribution GNU Linux, je vais vous poser deux questions préliminaires. D'après vous, est-il possible d'installer la base d'une distribution en l'espace d'une trentaine de secondes? Deuxième question, selon vous, est-il possible d'installer une distribution avec, en plus de la base, LibreOffice et Mathé en l'espace d'un petit quart d'heure? C'est pas possible pour vous? Enfin, Mathé plus LibreOffice en un quart d'heure, c'est faisable. Mais installer une distribution en 30 secondes, la base, le cœur d'une distribution en 30 secondes, c'est possible pour vous? Non? Détrompez-vous. Je tiens à saluer mon collègue linuxien Sipo Matador du Cosmos qui m'a fait un joli clin d'œil dans une de ses vidéos. Salut Sipo, c'était Moriard, je t'envoie le bonjour. Pour vous parler de la Nutix, oui, vous en doutez un petit peu, si vous connaissez un peu mes délires neuronaux informatiques, la Nutix est une distribution basée sur la Linux from scratch, qui a pour comme grande qualité d'avoir un installateur qui fait penser à un coureur du Tour de France chargé à mort qui grimperait le Mont Ventoux à 45 à l'heure. Voilà, ça donne à peu près une idée de l'engin. Donc, la Nutix est sortie en version 9.0 ou 9. Enfin 9.0 RC1, première release candidate. Je vous mettrai tout dans le descriptif comme d'habitude, bien sûr. Voilà, la 9.0 RC1 est disponible avec Quartz 2.2. Quartz, c'est la gestion d'un paquet piqué aux hormones. Bref, et même aux peaux belges aussi, faut-on le dire. Voilà, donc il dit que c'est le noyau 4.16, le LTS 4.9.16, blablabla, vous voyez. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de petites choses. Mettez la vidéo en pause, et après, quand c'est fini, vous revenez. Donc, je vais vous montrer la taille de l'ISO de téléchargement. Voilà, donc vous ne rêvez pas. Je vais mettre un peu plus gros comme ça. Vous serez certain de bien avoir vu. Même pas 256 mégas d'ISO d'installation. Bon, bien sûr, c'est strictement minimal. Mais 256 mégas. Vous imaginez? C'est minuscule. Même la plus petite des clés USB qu'on trouve actuellement, c'est 8 gigas. Donc, je ferme ça. Et donc, on va lancer l'installation. Donc, j'ai préparé ma machine virtuelle. Vous voyez, j'ai juste mis deux CPU virtuels. Le truc classique. Et on va démarrer la Nutix 9.0 RC1. On est parti. Voilà. Donc, elle n'utilise pas systemd, mais apparemment un sysvinit au démarrage. Personnellement, ça m'en touche une sans me faire bouger l'autre. Comme disait très bien un certain Jacques C., accessoirement président de la République pendant 12 années, de la République française pendant 12 ans. Voilà, donc déjà, paf, clac. On va voir l'installateur en français. C'est un outil très simple, nous pas en trop. Bref, blablabla. Une seule partoche, plus un partoche swap. Les coups, les douleurs, je préfère une partition avec homme, mais respectons. À Rome, faisons comme les Romains. Donc, on va commencer par partitionner le disque. CF disque. Voilà. Donc, je sais plus si elle peut s'installer en UEFI. Je n'ai pas envie de prendre de risque. J'installe directement en USB. Ah, en USB. En BIOS, pardon. Donc, première partition de 124 Go, qu'on va rendre amorçable. La deuxième de 4 Go, qu'on va mettre en swap. On écrit. Ah oui, c'est ma cafetière qui glougloute, si vous l'entendez. Voilà. Ensuite, comment procéder? Blablabla. On formate. Il propose le BTRFS. Je préfère encore ce bon vieux Xandit 4. Alors maintenant, arrive le morceau de choix, l'installation de la base. En clair, le cœur d'installation, le noyau, les outils de base et compagnie. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 20 secondes environ pour installer la base. Même pas 30. Ouais, ça se termine là. Ça fait en gros une trentaine de secondes. On a toute la base installée. Bien sûr, il faut rajouter tout ce que je dis comme zip, unzip et compagnie. 30 secondes pour installer le cœur du système. Contre antidopage, s'il vous plaît. On installe Grub. Et là, on démarre. La vidéo a commencé, j'ai commencé la vidéo vers 15h05, 15h07, j'ai déjà la main pour commencer la post-installation. What? Donc, le clavier français,
on va sélectionner, on va mettre tout en automatique. Changement d'autorité, ok. On accepte, ok, c'est bon. 3 minutes et je peux configurer mon compte utilisateur. On va activer les mises à jour automatiques tant qu'on y est, pourquoi pas. 4 minutes et je peux enfin accéder à la post-installation. Donc, je me connecte. Ah, le compte root est désactivé par défaut, il faut passer par sudo. C'est toujours mieux que rien. Donc là, on va déjà mettre en place la langue française pour Cartes. Donc c'est sudo Cartes install fr. Cartes.fr, pardon. Oui, voilà. Maintenant, nous installer. Et bien sûr, on a l'extension de Cartes. Voilà, donc on a base pour revenir à la base. Config, voilà. Vous avez toute la liste des options de Cartes. Vous pouvez mettre en pause la vidéo le temps de les lire. Je vais synchroniser maintenant la base de données. On sait jamais, peut-être qu'il y a des mises à jour qui sont arrivées. Je vais voir la différence. Ah, le canal TLS a été mis à jour. On est en 4.9.16. Bah, très bien, on va voir ce qu'il va nous dire. Donc, Cartes Upgrade. Et on va voir combien de temps il va mettre à jour le noyau. 1 minute 30 à tout casser. Non, mais là, c'est du contrôle antidopage. Et encore, je n'ai pas de connexion super rapide. Alors, si vous êtes avec une connexion fibre, c'est. Pouf! Pardon, c'est déjà fini? Vous voyez à peu près, mais on va dire 1 minute à récupérer le noyau et on va mettre quoi? 15 secondes à installer? Il y a des distributions qui pourraient prendre de la graine. Sans commentaire. En gros, il récupère à peu près 1 méga et demi seconde. Et encore, vous pouvez constater, je n'ai aucun programme en tâche de fond. Pour installer la mise à jour du noyau, bon, bien sûr, au démarrage, il sera pris. Donc, je vais rajouter quelques outils comme zip, unzip, VIM et nano. On va voir combien de temps ça va mettre pour installer tout ça. Bon, j'ai rien dit. On va installer Xorg. Xorg, c'est un gros morceau quand même. Donc, il est 15h10. On va voir combien de temps il va mettre pour installer Xorg. Enfin, 15h11. Ouais. On va dire qu'il est 15h10-50. Donc 15h10, on va voir le temps qu'il va mettre pour installer X11. Voyez, vous n'avez rien à faire, ça fonctionne, c'est très rapide. On est loin des gestionnaires de paquets à la Calculate qui malheureusement, le temps d'installer uniquement un paquet, on a le temps d'installer 15 paquets avec une UTX. Après, bien sûr. Ça dépend de la complexité des paquets en question. Mais là, ça fait quand même peur. Tut! Contre antidopage! Si c'était un conducteur, ça ferait longtemps qu'il aurait tous ses points sucrés pour dépassement de vitesse. Et encore, je n'ai pas ma connexion à pleine vitesse, parce que normalement, je peux monter jusqu'à 3 mégasecondes en vitesse de pointe. En gros, 2 minutes se sont déroulées. Bon, mais ça calme, c'est tout, quoi. Il n'y a pas à dire, ça calme. Deux minutes pour installer X. C'est à peu près la moyenne des distributions modernes. Donc là, c'est bon, les mises sont finies. Voilà, en gros, 2 minutes.
On va rajouter cubes à la mimine. Même si c'est dépendance de LibreOffice, ça fera gagner quelques secondes. On va pour cubes. 15h13, on va dire, allez, une minute pour installer cubes. Même pas une minute. On va installer GBFS, qui est une dépendance de Maté, qui permettra de gérer les clés et compagnie. On va dire une minute à peu près. Là, comme ça, je décompose un peu. Mais vous voyez à quelle vitesse une simple commande est exécutée? Ça calme. Ça fout même la trouille, là. Et quand on pense qu'il y a une équipe de 3-4 personnes qui est derrière, on se dit... Il y a des personnes qui savent s'y entendre pour développer des distributions, d'autres moins, mais ça, c'est la vie. Donc, normalement, c'est bientôt terminé. On va rajouter un petit outil qui permet d'avoir les répertoires utilisateurs. À savoir XDG User DRS. Comme ça, on est tranquille. Je vais rajouter les ASA Utils pour avoir le son à fond les ballons. Comme ça, on va le faire tout de suite, ça sera fait. On n'aura pas de problème de son en sourdine au démarrage de Maté. Ah, oh d'accord, on verra ça après. Donc, on va installer maintenant LibreOffice, qui est un gros morceau par contre. Là, 15h15, on va dire 4 minutes à peu près. Un peu moins même. Je pense qu'il va récupérer Cube, le paquet LibreOffice, étant donné que j'ai récupéré Cubes en parallèle et comme Cubes est une dépendance de LibreOffice. Il nous annonce 2 minutes d'attente. C'est vrai que LibreOffice est quand même un petit bébé qui, pour information, quand je compile sur mon vieux bousin de 6 ans d'âge, à savoir un Athlon X2 215, il met à peu près 3 à 4 heures. Ça a dit long sur le gros bébé. Bon, mais je reviens, je vais couper ma cafetière qui glougloute avant qu'elle explose. Voilà, donc il reste à peu près, désolé pour la cafetière qui vous gloute, mais c'est la vie. Bref, donc vous avez vu à peu près que c'est assez rapide pour installer LibreOffice. Il reste à peu près encore une quinzaine de secondes. En gros, 2 minutes pour récupérer le paquet, une pour l'installer. Je dirais que c'est pas excessif. Le test de vérité, ça sera la station de Maté et Maté Extra. Même si c'est un environnement assez léger, il est costaud à installer. Voilà, donc il installe les dépendances restantes. Donc il est compilé en GTK2 apparemment. Ok, il n'est pas compilé en GTK3. Peut-être que ce sera le cas pour l'Antix 9.1. On verra ça. Mais en tout cas, c'est-à-dire que c'est une des distributions Nutix que je trouve parmi les plus agréables à installer. Au début, c'était un peu moins agréable, mais depuis que Cart s'est développé par Nut, enfin Thierry Nutens, aka Nut, pour les besoins de sa distribution, je peux dire que c'est un véritable pied à installer. Et pour le débogage, c'est un véritable pied aussi parce que c'est simplissime. Enfin, la vraie simplicité. Donc là, tant qu'il finisse de charger des dépendances. Bon, on va dire dans 2 minutes, l'heure terminée.
le temps qu'il installe les dépendances. Mais quand on voit la vitesse de l'installation d'indépendance, on dit stop! Contre antidopage! Donc, ce que je vais rajouter maintenant, c'est l'applet Network Manager. Vous montrer comment configurer le réseau Network Manager avec Nutix. C'est très complexe. C'est vraiment le principe du KISS. Comme certains disent, et personnes disent, le KISS, ouais, il ne faut pas mettre de graphique, d'environnement graphique compliqué à la maté et compagnie. Bon. Tout ce que j'ai à dire, le KISS, c'est la simplicité de la configuration. Point barre. Donc, c'est un paquet qui sont un peu plus lourds à installer que d'autres. 7600 fichiers, ne serait-ce que pour LibreOffice. Waouh! Donc, on s'aperçoit que c'est une version dite fraîche ou évolution selon le langage de LibreOffice. C'est la version 5.3.1. Cool. Vous voyez, il y a à peu près une vingtaine de minutes que je commençais la vidéo, à peu près. Et on est déjà en train d'installer LibreOffice. Bon, j'ai pris un peu mon temps pour vous montrer certains trucs, mais l'installation 30 secondes pour la base, la post-installation la plus longue, parce qu'il y a certains trucs que j'explique, compagnie. J'aurais pu tout groupir et envoyer tout dans une seule ligne de commande, mais j'ai préféré décomposer. Donc, maintenant, on va modifier le système pour qu'il prenne en compte Network Manager comme gestionnaire de réseau. Donc, insert. On peut avoir WCD ou rien du tout, automatique. Donc je vais mettre un Network Manager. Je vais appeler FredoNutix, tiens. La distribution. Voilà. Bonne session. C'est fini. Donc là, je vais juste installer l'applet Network Manager. C'est aussi Network Manager par elle-même, enfin par lui-même plutôt, pardon. Bah, Network Manager est installé, on l'aura prochain démarrage. Et maintenant, on va installer Maté. Je n'installe pas Firefox ou autre, j'installerai en post-installation pour justement montrer encore une fois la vitesse d'installation de l'engin. Donc, je commence par installer le cœur de Maté, les outils de base. On constate que Pulse Audio est récupéré aussi. Donc, il est 15h21 à 23, base de maté est installée. Maté 1.16, apparemment 1.18 est arrivé trop tard pour être intégré à la version 9.0 de Nutix. Ce n'est que partie remise. Donc déjà la base, à peu près une minute pour installer. Bref. Donc c'est bientôt fini pour ça. Ce qui est bien quand même aussi, c'est que carte c'est en français, c'est plus agréable. Maté extra pour installer tout ce qui est Atril, Pluma, enfin, le gestionnaire de fichiers PDF, l'éditeur de texte, patati patata. Donc on va dire dans 2 minutes c'est terminé. Bien sûr, il y a aussi KDE qui est disponible, mais ce sera un brin plus lent.
Par contre, il y a aussi une limite que vous allez voir, c'est qu'il n'y a que LXDM et SDDM qui existent pour Nutix. Il n'y a pas LightDM, dommage, à moins que j'ai mal cherché. Mais LXDM est toujours mieux que rien. Et puis, tant que ça fonctionne, c'est le principal après tout. Et en post-install, je rajouterai des outils comme Firefox, Thunderbird, et encore ou encore le gestionnaire de fichiers, enfin le gestionnaire d'imprimante HPLib. Et on redémarrera et automatiquement on aura la LXDM qui se chargera. 23 000 fichiers pour le thème d'icône FANSA. Waouh! Ça fait peur. Voilà, donc là je fais un XDM et on redémarre. Et normalement, au démarrage suivant, on aura LXDM qui va se charger. En gros, la vidéo est commencée depuis une vingtaine de minutes, 25 minutes environ. Vous avez vu l'installation d'Nutix. Sa post-installation détaillée, il n'y a pas à dire, c'est du rapide. Bien sûr, on est obligé de tout faire à la mimine, mais certaines distributions graphiques pourraient en prendre de la graine côté vitesse d'installation. Hein. Tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc là, je passe en plein écran. On sélectionne la session maté, le langage, voilà, et on peut se connecter. Donc les dernières étapes de la post-connexion seront assez rapides à faire. Mais avant toute chose, on modifie le fond d'écran. On clone sourdine, voilà. On va mettre le son à donf. Voilà. Donc. Apparence, apparence. On va prendre Black Maté pour reposer un peu les yeux, arrière-plan. On va prendre un truc reposant pour les yeux. Tiens, on va prendre celui-là. Voilà, c'est quand même plus agréable pour les yeux. Donc vous voyez, on a le thème Blumenta, enfin Submarine plutôt, enfin Submarine, Black Maté, je vais y arriver. Donc il ne manque que la calculatrice. Côté bureautique, on a toutes les icônes, c'est parfait. Outils système, donc on va avoir Cara avec les répertoires utilisateurs, parfait, on le garde tout pour la suite. Sans vidéo, on n'a rien. Outils système, ok. Et on a bien normalement un noyau 4, 9, 18. J'aime quand l'informatique fonctionne. Donc là, je vais juste rajouter quelques petits trucs. Voilà. Donc, je vais installer le thème de son FreeDesktop pour avoir les sons fonctionnels, les sons système fonctionnels. En tapant le mot de passe, un peu mieux, ça ira. Voilà. Et si on va ici, normalement, préférence du son. Voilà, donc le son on va le mettre un tout petit peu plus fort. Vous voyez, donc tout est fonctionnel. Le micro, bien sûr, ne passe pas étant donné que n'est pas reconnu. Donc, on a bien sûr le ouvert dans un terminal qui fonctionne. Là, on va compléter ce qui manque. Donc, on va rajouter calculator pour avoir la calculatrice. Boum, terminé. Et on a la calculatrice qui est installée. J'aime l'informatique quand ça fonctionne. On va faire la même chose avec Firefox, qui est quand même toujours un peu lourd à charger. Ou presque. C'est pour ça que j'aime Cart, parce qu'il installe rapidement les paquets. C'est vrai qu'avoir une bonne connexion, ça aide, mais ça fait plaisir de voir un système
qui dit t'inquiète pas, je gère tout. Dans les emplacements classiques. Ah oui, bien sûr, comme GVFS est fonctionnel, les greffons ont été installés, donc on peut très bien voir se brancher une Freebox par exemple. Voilà, vous n'irez pas plus loin, bande de curieux. Donc, on va installer, par contre, côté la petite équipe, donc il n'y a pas beaucoup, beaucoup de logiciels. Donc, je vais installer Audacious avec ses plugins pour l'audio. HP Leap, Python Qt4 pour avoir l'imprimante. Pendant ce temps-là, on vérifie que tout se passe bien au niveau de Firefox. Normalement, on va pouvoir le franciser en un clic de souris. Donc, il est en anglais, mais non, ça va se franciser en un clic de souris. Oui, je vais l'utiliser comme un mode navigateur par défaut, merci. Je crois qu'il y a aussi Chromium à vérifier. Alors, on va essayer extension, plutôt add-ons, language. Et là, on a une bonne dizaine de paquets de traduction. Donc, il n'y a plus qu'à fermer. Clac, clac, clac. Relancer. Et normalement, nous avons un Mozilla Firefox en français. Pendant ce temps-là, ah, donc on va retourner sur le site de l'Analytics. Je le veux en français, merci. Voilà. On va voir sur YouTube si le support HTML5 est bon. Donc peu importe, juste même si la publicité se charge, je sais que c'est bon. Crois qu'on a la preuve que ça fonctionne. On va aller sur Alter Music faire le test de l'album pour voir si le support MP3 est bien activé par défaut ou s'il faut juste le travailler un tout petit peu. On va prendre Triad pour changer un peu, tiens. Ah tiens, je sais pas que cet album était disponible, tiens. Mais je me le prendrai. Voilà, clac, clac, je savais que Breeze était disponible, enfin le second album, mais pas le premier. Felicien était disponible en physique, mais pas Breeze. Enfin, pas public domaine. Donc là, on va fermer ça, c'est pas le plus important. Donc là, merci, je n'ai plus besoin de ça, on va fermer ça. Donc normalement, si tout s'est bien passé, on doit avoir d'accessoires. Voilà, HP Device Manager. Normalement, on devrait aussi avoir Cubes fonctionnel, si tout se passe bien. Bon, on a Cube, ce qui est fonctionnel, c'est parfait. On va tester
l'audio, donc l'Audacity. Par contre, j'ai vu qu'il y avait VLC dans mes essais préliminaires, donc on va l'installer. C'est une version 3 apparemment de VLC. Je ne suis pas super super fan, mais ça permet d'avoir un VLC tout du moins. Alors, tant qu'il n'y a pas MPV, ça permet de compenser un peu le trou. Donc téléchargement, on va faire extraire vert, musique, extraire. Donc c'est bon, on va lancer Audacious pour voir s'il n'y a rien à lancer en plus, s'il reconnaît. Donc on va mettre ouvrir. The following presentation is rated TVMA. But enough about me. It went like this. Take music and sounds created. Bon, je crois qu'on a la preuve que le son fonctionne à MP3 sur l'Analytics. Et là, voilà, on a la VLC qui est apparemment une version compilée en juin 2016. Donc, est-ce que ça fonctionne bien? Je vais peut-être passer un petit coup de mozzo pour le faire apparaître. Apparence. Menu principal. Donc, son et vidéo. Voilà, et normalement, ça devrait apparaître dans mozzo. Bon, on va juste fermer la session et la rouvrir, ça va apparaître. Donc, c'est une version de juin 2016, un peu vieille, mais au moins ça permet d'avoir un VLC3. Et bien précisé, version Git. Compilé le 31 janvier 2017. Voilà. Donc vous voyez, tout est fonctionnel. Bon, bien sûr, il n'y a pas certains outils qu'on a l'habitude de voir sur des distributions plus grosses. Mais on est vraiment dans l'utilisable, dans le rapide, dans le souple. Bon, je vais lancer par exemple LibreOffice Writer. Vous allez voir, ça se lance et dans le nez. Si je n'avais pas tout détaillé, en l'espace d'un quart d'heure, j'avais ma Manutix prête à l'emploi. Mais comme j'expliquais chaque étape, donc là, je vais tout éteindre. Voilà, donc ça s'éteint normalement. Donc vous avez vu que c'est une distribution qui est hyper rapide à l'installation. J'ai rarement vu une base installée aussi rapidement. Bon, c'est vrai, il faut connaître un petit peu la ligne de commande, mais la puissance de carte, sa vitesse en fait une distribution. Enfin, non. C'est l'avantage principal d'Analytics, c'est la vitesse de carte, sa souplesse, sa fonctionnalité, quoi. Vous avez vu, même la mise à jour du noyau n'a demandé que 2 minutes. Le temps de d'essayer de la récupérer, et boum, c'était fini, on avait de nouveaux noyaux. Là, j'avoue, moi, je ne peux qu'applaudir devant la qualité du boulot fait par l'équipe d'Analytics, qui parfois dépasse celui de boulot d'équipe beaucoup, beaucoup plus grosse. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye!